Hey, coucou à tous et bienvenue pour l'épisode, nouvel épisode, épisode 5, si je dis pas de bêtises, je suis perdue. Pour le Hunger Games of Sims, spécial vélin Disney, sous le soleil radieux de Forgotten Hollow, qui l'eût cru que le soleil arrive à percer ces nuages sombres et inquiétants, se trouvent les 4 finalistes, enfin les quarts de finalistes, des méchants Disney. Ils ne sont déjà plus que 4, en plus c'est équilibré, 2 femmes, 2 hommes. C'est plutôt pas mal, et c'est même pas fait exprès. Madame de Tremaine, Grimilde, Docteur Facilier et Gaston sont encore en lice. Aujourd'hui, une épreuve d'agilité, mais une épreuve aussi intellectuelle, et une épreuve d'audace. Qu'est-ce que ça pourrait être d'après vous? Je donne un indice comme ça. Ça se joue avec des petites balles. Ils sont là, ils sont beaux, ils sont 4, et ils vont s'affronter les uns aux les autres au ping-pong, enfin tennis de table, tranquillement, mais vous allez dire, oui, mais qui contre qui? Et dans ce cas-là, je vais tirer au sort grâce à la superbe roue du hasard. Nous voici sur la fabuleuse roue de la chance ou de la malchance, où je vais tirer au sort... je viens de voir qu'il y avait un petit bug ici. Qui va donc être tiré au sort? Le premier que je tire au sort, eh ben, affrontera le deuxième que je tire au sort, et les deux autres s'affronteront entre eux. Les perdants, parce que les vainqueurs des deux poules seront sauvés, les deux perdants s'affronteront et le perdant des perdants sera le condamné à mort. Attention, qui sera tiré au sort en premier? Pour l'instant, pas trop de suspense, hein, c'est juste du hasard pour pouvoir faire les poules. Alors, c'est Grimilde qui affrontera... qui affrontera Facilier. Et voilà, ça veut dire que Tremaine affrontera Gaston. Je vous laisse vous approcher de vos tables respectives, messieurs, dames. Alors, il y en a qui sont plus ou moins bien confiants que d'autres. Ils sont tous remontés à bloc. Tremaine, tu vas jouer au ping-pong contre, bien sûr, Gaston. Et Rimmel, tu vas jouer au ping-pong contre Facilier. C'est parti, l'affrontement va commencer. Qui sera le grand perdant? Ça a commencé pour Facilier Grimilde, Gaston et Tremaine sont juste derrière. Ah, Gaston, ça pue pour toi mon gars. J'ai pas suivi la première poule de l'autre côté là, je sais pas qui quoi. Ah, Grimilde et Gaston, pas terrible tout ça, pas terrible terrible. N'oubliez pas que vous vivez pour votre vie, vous jouez pour votre vie plutôt. Regardez vos potes derrière qui vous attendent, dans l'au-delà. Ah, Tremaine en difficulté également. Ah, encore une fois, elle s'est fait eu. Ah, Grimilde également. Est-ce que les hommes vont dominer? Est-ce que les femmes vont les éliminer? Ah, Grimilde a encore loupé un point. Et Tremaine également. Oh, encore une partie de ping-pong terminée vainqueur. Gaston! Gaston a gagné 3 à 2. Bravo, Gastinus. Bravo, Gastinus. Et attendez, quoi? J'ai pas lu. Et c'est Monsieur Facilier qui a gagné également. Eh bien, ce sera donc un affrontement féminin. On va faire 3 poules. Ouais, non, c'est vrai, on va faire 3 poules, on va faire quelque chose qui sera un peu plus logique. Donc, nous avons un point pour les garçons. Et on va continuer. Au bout des 3 matchs, les perdants s'affrontent. Pour que ce soit un peu plus égal, c'est vrai que sur un match, c'est un peu court quand même. Oh là là, il y a Agnès Dentelle qui passe derrière. Faudrait l'affronter elle aussi. Est-ce que ce sera la revanche des dames contre les hommes? Alors, qui c'est que j'aime le plus là-dedans, que je voudrais voir aller loin? J'en ai aucune idée, en vrai. En vrai... En vrai, vas-y. Si je dis Grimilde, c'est elle qui perd. Vous allez voir. Oh, Tremaine a gagné contre Gaston. Bah, c'est une égalité parfaite. Vous allez faire la belle. Allez. Ouais, t'aurais joué pas trop, Tremaine. T'as gagné. C'est bien, tu... Eh, elle évite d'être condamnée tout de suite. Hein, donc, bon. Ils rejouent leur dernier match alors que Grimilde et Facilier n'ont pas encore fini leur deuxième. Grimilde a gagné également, elle gagne son droit de rejouer contre Facilier. Quel suspense les enfants. Vous allez rejouer, n'hésitez pas à vous amuser également. Alors que Gaston et Tremaine sont bien avancés sur le match, on saura qui a gagné entre les deux et qui affrontera le perdant d'en face. Ça commence mal pour Grimilde, j'ai l'impression. Le match est très très long entre Tremaine et Gaston. Ah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même du kiff-kiff pour Gaston et Tremaine. Ils savent s'affronter l'un l'autre, hein, ils sont à la bonne hauteur. Facilier est ambitieux. Oh,
C'est Gaston qui a gagné contre Tremaine et Facilier qui a gagné contre Grimmil. Donc c'est exactement les mêmes résultats qu'au premier tour. Les femmes vont s'affronter les unes contre les autres. Les hommes sont vainqueurs et sont sauvés. Et partent en demi-finale avec l'une de ces jeunes dames. Enfin, il y en a une qui est plus jeune que l'autre. Les garçons, vous pouvez rentrer chez vous. Et les filles vont s'affronter en 3-7 également. Allez, c'est parti. Tremaine contre Grimmil. Vous allez voir, c'est Grimmil qui va perdre. Parce que j'ai osé dire qu'elle était, que j'aimais bien. C'est sûr. Ah, pour l'instant, elle a déjà marqué un point. Hein. Enfin, après, je connais pas les scores. Je connais pas comment ça fonctionne, le ping-pong. Au niveau des points. J'imagine que quand l'autre réussit pas à choper la balle, c'est que tu gagnes un point. Mais... voilà, pour l'instant, Tremaine, elle laisse passer toutes les balles. Donc Grimmil est en train de mener la danse. Ah bah ouais, non, mais là c'était obvious, effectivement, Grimmil a gagné haut la main. Allez, on va refaire deuxième poule. Bah oui, Tremaine, hein, si tu te ressaisis pas, c'est la mort. Je te le dis comme ça, en toute confidence, si tu gagnes pas maintenant, t'es morte. C'est maintenant que tu peux te donner une chance. Ah, Grimmil a laissé passer une balle. Peut-être que Tremaine s'est réveillé et s'est dit, non mais moi je veux vivre. Je veux vivre pour tourmenter d'autres jeunes filles. Qui sait? Alors que cet échange est plus long que mon avenir. Ah! C'est Tremaine qui a laissé passer la balle. Allez, ressaisis-toi! Ouh là 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 là! J'ai l'impression que Grimmil gagne, hein! Clairement, hein! C'est une impression. Allez, j'ai l'impression que c'est la dernière balle. Dernier échange entre ces deux demoiselles. Ah non! Grimmil a encore marqué un point, il me semble. Et là, c'est peut-être la dernière. J'avoue que j'ai pas suivi à fond non plus et que je connais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de manches que de choses. Grimmil a gagné! C'est Madame de Tremaine qui va donc mourir. Ça se voit qu'elle en peut plus. Grimmil rentre chez elle alors que... ah bah t'aimes pas le fitness mais tu fais du... d'accord. Tu détestes le fitness, oui. Bah arrête de faire ça en fait. Bien fait! Allez! Qu'est-ce que tu dis? Tu vas mourir? Elle est ravie. Allez! Ouais, je me retrouve tout de suite pour la mise à mort. Pour la mort de Madame Tremaine, je vais mettre à profit notre amie qui sert de faire valoir. Comme vous pouvez le voir, elle a invité un petit stand de bouffe japonaise et elle est en train de goûter au nigiri de fugu. Peut-être qu'elle va devoir faire à manger après. Ah! Quel dommage, en plus elle se pisse dessus. Et il n'y a rien pour se laver. Ça n'arrangera pas ses affaires. Et voilà! Notre amie a mangé du nigiri de fugu. Elle va pouvoir en préparer un. Je me demande ce que ça va être. Hein. Petite portion individuelle. En espérant qu'elle soit médiocre. Tremaine, tu restes là-bas. Va là-bas, tu déranges la cuisinière. Oupsie! Il y a comme cul duré. Un petit problème avec le nigiri qui est là, il est pas bon du tout. Oh, Tremaine, t'as pas faim? Si, t'as un petit peu faim. Un tout petit peu. Je veux bien que tu goûtes ça, cette assiette volante là. Ouais. Ouais, goûte là. Oh, regardez, quel joli ciel. Quelle jolie journée, quelle jolie baguette. Montre-nous comment tu sais bien manger du nigiri de fugu. Ah, allez, lis-y un peu de tien. Du tien. Eh? Mais tu l'as foutu par terre, t'es débile! Eh, elle est débile! Allez, continue! Mais si tu fous tout par terre, comment veux-tu mourir? Empoisonné. C'est pas comme ça que ça fonctionne, hein? Tu l'as fini? A fait ses premiers pas dans son voyage culinaire à travers la ville! Arrière-goût désagréable! S'entraîner à jongler! C'est une blague! Excitation de défier la mort. Ah mais non, mais là ça va pas du tout. Eh, pendant ce temps-là, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas faire un petit tour, tu vas y courir. Non, 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 pas chanter, courir. Ouais, on va courir. Tu seras peut-être mal à l'aise. Et nous, on sera bien contents. Elle va nous faire un truc bien à chier, je l'espère en tout cas. Bien médiocre, bien puant. Yes, c'est médiocre. C'est parfait. Allez, va te détendre là-dedans. Tu reviendras nous voir plus tard. Voilà, elle est mal à l'aise. En plus, c'est vrai que j'ai oublié qu'elle n'aimait pas le fitness. C'est bien. Tu vas pouvoir manger de nouveau un nigiri de fugu. Médiocre. En étant mal à l'aise, je pense que ça devrait le faire. Ça y est. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. It is time, I think it is time. Because she doesn't hit
She doesn't... Ah, mais elle est toujours aussi douée que ses baguettes, hein. Mais elle le trouve dégueulasse. De toute façon, elle mangera tout le plat. Jusqu'à temps qu'elle claque, d'accord. Allez, les baguettes, c'est pas si compliqué que ça, hein. Ah. C'était bon ou c'était pas bon? Dis-moi tout. Tu meurs ou tu meurs pas? Est-ce qu'elle s'accroche, la vieille? La mort est inéluctable et madame Tremaine le sait. Bah oui. C'est maintenant que tu vas mourir, madame. Peur de la mort. Je suis désolée, mais oui, mais tu vas y passer, hein. Que t'aies peur ou pas, hein. Tu sais quoi? Tu vas recourir. Je m'en fiche, hein. Même si, quand ils seront pourris, là, dans 6 heures, eh ben, elle les remangera. Qu'elle se pisse dessus, elle les remangera. Il n'y a pas moyen. Elle retourne. Ouais, non, mais franchement, c'est pas possible. Je ne me laisserai pas faire. Elle mourra d'une aigrie de fougou. La revoilà magnifiquement cradingue de son petit tour. Tu vas me manger. Et ah oui, tu dois pisser en plus. Non, mais là, là, ça marche, quoi. Zut. Oh! Waouh, maléfique! Ah, est-ce qu'elle est belle comme ça? Oh, Jafar! Ils sortent de leur trou. Oui! 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 Ah, elle est morte à travers le plan de travail dans la cuisine! Coucou, faucheuse! Ça faisait longtemps. Maléfique, elle est dégoûtée, dit. Mais moi, j'ai même pas eu droit à bouffer, en fait. Je suis morte direct, hein. Et ouais. Oh, ils ont chaud. Ouais, c'est vrai qu'elle est morte de vapeur, hein. Ah, soyez pas triste. Ça fait une copine de plus dans l'au-delà. Merci, faucheuse, d'emmener l'âme de cette vieille pox. Elle est déjà dans sa tombe, en plus, voyez. Elle a déjà sa place avec ses autres potes. Merci à toi, la faucheuse. C'est vrai que Maléfique, étant morte la première, elle se rend compte que tous les autres qui sont morts après elle. Hein. Et oui, mais maintenant, ils sont plus que 3. Et la semaine prochaine, ce sera déjà la demi-finale. Je vous fais des énormes bisous. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à me donner votre pronostic. Qui sera le prochain à mourir? Qui est votre préféré? Et puis, des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.